soucis techniques, ce sont des problèmes électriques, nous dit-on. Eh bien, Cécile, nous, on a vu de belles choses parce qu'on a eu la coupure au moment où c'était encore un peu le round d'observation. Depuis, c'est un petit peu... Beau petit coup spectaculaire de Waldner qui n'a pas perdu. Voilà, il ne faut pas oublier non plus que dans l'axe de Waldner pour le moment, il y a Jean-Michel Saive qui fait un peu, on le sait, a des capacités. Voilà, il est là en arrière-plan, vous le voyez, là pour le moment il est très calme, ou il a l'air très calme, mais... Il fait ses petits coups en plus. Oui, hein. Ça, on en est à 8-7 pour Philippe oui. Saive. Il est toujours là. Et balle. Oh, et voilà. Bien joué, Philippe. 1-7 partout, égalisation donc de Philippe Saive. Placement de balle dans un... La balle va lui revenir. Voilà. Ouais. Un petit bloc parallèle. Contre-pied. Oui. Ouf. Bon, les coins sont avec Philippe. 6-3. L'arbitre qui gêne. Oui, il vaut mieux dire ça que dire que c'était trop voilà. Bas pour Waldner, c'est ça. Qui a notamment ce titre de champion de Belgique en simple 1, plein de titres en double. Vous avez beaucoup joué. Voilà, ouais, encore ça. Ce petit bloc. Allez. Ce sera après. Ce n'est jamais fini. Hein, mais non, bon. Bien sûr. Ah, tiens. Ah. Ouais, là, je pense que Philippe a décidé que ça allait se terminer en show un peu, non? Oui, bah, je suis là pour ça, oui. Et voilà. Et le public, oui. 3 balles de match. Oui. Oh. Alors, tout à l'heure, à l'échauffement, ils nous ont fait ça avec personne, ça volait haut, hein? Oui. Son service Waldner. Et voilà, c'est terminé sans surprise, va-t-on dire, on avait 20 nerfs.